Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous excuserez ma voix qui est complètement éclatée d'ailleurs, parce que j'ai un rhume, etc. Donc ça commence à partir. Je viens de remarquer que je suis pas très droite, donc c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, c'est l'ouverture de la box sur demande numéro 9, je crois. Il me semble, je crois que c'est la numéro 9. Il faudra que je revérifie, mais il me semble que c'est la 9 ou la 10. Je crois que plus que c'est à 9. D'ailleurs, je m'excuse pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo. Mais comment dire que même là, je vous en filme une. Je ne sais pas quand je vais la poster. Simplement parce qu'on est le 5 ou 6 décembre. Aujourd'hui, 7, 10. 10 décembre, j'ai ouvert la case numéro 10 de mon calendrier ce matin. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais publier. Parce que je suis en train de faire des examens, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais je vous filme mes vidéos parce que je viens de le recevoir. C'est le facteur. Enfin, même pas, c'est pas le facteur. C'est je sais plus qui. Qui me l'a déposé il y a quoi? Il y a un quart d'heure à tout casser au moment où je commence la vidéo. Donc pour une fois, il n'est pas du tout ouvert. Donc on va tout ouvrir en même temps. Hein, comme ça, il n'y a pas de surprise pour moi avant la vidéo. Pas de risque de spoil non plus. Par contre, toujours aussi chiant et horreur. Bon. Donc comme d'hab, ça se présente comme ceci. La 9e. Donc pour ceux qui voudraient lire, j'espère juste que vous arriverez à peu près à lire avec le fait qu'il y a la ring light qui soit allumée. Voilà, donc pour une fois elle est un petit peu mieux emballée, elle n'est pas ouverte comme la dernière fois que je l'ai eue, mais bon ça c'est un petit détail. Donc comme d'hab, je sais toujours très bien ouvrir la box sur demande. Et voilà ce qu'on retrouve dedans. Donc je vais piocher au fur et à mesure. Donc le premier truc qu'on a, c'est la petite pochette comme ceci. Donc bon, je suis en train de me spoiler. Donc premier truc, c'est le petit ticket que je vais gratter pour voir si... si j'ai gagné, mais comme d'hab... Il a innové, Ben. Putain, vous verrez rien. Putain. Je teste un truc. Hein. Je promets pas que ça marche, mais... Bon, c'est pire. Bon. C'est pas trop ce que j'ai touché, mais c'est pas grave. Voilà. Vous arriverez peut-être à lire. Donc, pour une fois, c'est perdu, moldu qui a marqué, et non pas moldu, perdu. Comme, oula, j'ai mis un peu fort là. Comme d'habitude. Ensuite, du coup, bah, je me suis fait spoil un petit peu, mais il y a ceci dedans. Je sais pas trop ce que c'est. De base, j'aurais dit un sticker, mais... Ah, si vous entendez la chienne pignée, c'est juste qu'elle est casse-pied depuis toute la journée, donc elle a fait que ça. Et voilà. Ensuite, la petite carte dédicacée, comme d'habitude, de Ben. Le marque-page. Et pour finir, une carte de la voiture volante qui arrive sur le pont. Donc c'est dans le 2, je crois. Oh, je sais plus. Là, je suis fatiguée, il faut rien me demander. Donc ça va faire comme les deux dernières boxes. Je vais mettre ça dedans et je verrai plus tard pour les ranger au bon endroit. Ensuite... un tote bag Poudlard. Plutôt assez sympa. Donc moi, les tote bags, je les utilise pas, mais celui-là pourra peut-être m'être utile, je sais pas. Ensuite, on a un stylo, mais clairement... Ah, il y a marqué Lumos. Bon. Alors, je suis mise catastrophe parce que pour pas réussir à ouvrir la boîte d'un crayon, faut le faire. Donc. C'est un stylo comme ça. Mais par contre, après, je sais pas du tout comment on l'allume.
faut appuyer sur le bouchon pour que ça fonctionne. Purée. Et j'aurais mis du temps à comprendre. Oh là là. Bon, on va le remettre dedans. Hein. Je crois qu'il écrit en noir parce que je dois avoir des traces de noir sur mon doigt à avoir testé. Ensuite. Un petit porte-monnaie avec marqué. J'attends toujours ma lettre de Poudlard et je ne perds pas espoir. Je trouve que c'est assez sympa. Ça peut être toujours utile également. Ensuite. Ouvrez vos livres, page 394. Un petit badge. Ensuite. Ne compte pas la boîte, Kevin. Un magnétique notebook. J'aimerais ne pas trop abîmer le truc, mais ça va être compliqué. Bonjour le chat. Vous allez sûrement voir. Voilà, Noisette qui arrive en arrière-plan. Voilà. L'adresse d'Harry, ça, et... Du coup, je le trouve moins pratique, mais en gros, les pages, elles sont comme ceci. Mais ça, c'est sympa quand même. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans la box, puisque comme vous pouvez le voir, elle est vide. Pardon, j'ai le OK. Comme c'est une box de Noël, je m'attendais à avoir un truc un peu comme le... Comment ça s'appelle ? Le bonnet d'année dernière que je n'ai aucune idée d'où j'ai foutu dans ma chambre. Je l'avais la semaine dernière, mais là, je ne sais pas du tout où il est. Ah, elle est derrière moi. Sinon, l'article que j'aurais préféré dans la box, c'est clairement pas le carnet comme tout le temps. À la limite, le petit porte-monnaie qui peut être vachement pratique. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est le petit tote bag Poudlard. Je trouve très très mignon. Et c'est souvent très utile. Bon, à la fac, j'utilise mon cartable Ispac que j'ai acheté exprès pour la fac. D'ailleurs, celui-là, le rouge. Sinon, j'avais mon bleu aussi. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous faire d'autres vidéos normalement avant celle-ci, parce que celle-là, je pense que je la publierai peut-être le 30 décembre si j'arrive à publier. Vous aurez une vidéo comment me retrouver. Vous aurez une vidéo comment me retrouver à la Anime Focal Orléans, si je ne me trompe pas. Où j'aurais été, sauf si entre temps je change d'avis, en cosplay de Serpentard. Donc c'est une convention à Orléans. Où j'essaierai de vous faire un vlog, je promets rien. De toute façon, au moment où je vous parle, ça ne s'est pas encore fait, puisque c'est les 19 et 20, ou 18, 19, je ne sais plus, décembre. Mais voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, et à bientôt.